cientos de planes y quisiera gritarlo. Cher neveu, cher Arturo, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mort. Nous t'avons apporté des fleurs, les mêmes que chaque année. J'ai toujours eu une affection particulière pour toi, parce que tu étais le seul de la famille qui m'a accepté, ainsi comme je suis. Parce que ton père... Mon frère n'a jamais Tu sais ce que la mort de mon père m'a appris? À devenir plus fort. Plus fort pour lui rendre justice. Non, non. On dit que le fait de pouvoir contrôler ce que l'on ressent est ce qui nous rend plus fort. Mais jusqu'à quel point sommes-nous capables de déguiser nos sentiments pour ne pas être considérés comme faibles? Terry, je vous attendais. Comment puis-je vous aider? Peu importe s'ils me choisissent ou non, je voudrais prendre rendez-vous avec Madame Mascaro. Ok, je vais vérifier avec Madame Fabiola si nous pouvons organiser un rendez-vous. Merci, okay, je vous souhaite une bonne journée. De rien, bonne journée. Ne me touchez pas! Je te donne une chance de t'occuper de ton père. Si tu veux vraiment payer sa dette, je vais te dire comment, mamacita. Ça va pas! Je vais porter plainte pour harcèlement! On dirait que maintenant, Miss Infidèle veut faire la sortie. Laissez-moi descendre! Laissez-moi descendre! Vas-y, descends! Mais si tu ne me paies pas à la date convenue, je vais me faire payer et ce ne sera pas avec de l'argent. C'est tordure! Laissez-moi descendre, imbécile! Je vais commencer à crier! Oui, 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 descends! Allez, allez, sors de là! Sacrée, allez! Nous pouvons trouver un moyen de retourner cet investissement. Je ne sais pas, un prêt ou quelque chose qui ne déstabilise pas l'entreprise. C'est beaucoup d'argent, ma fille. Je ne voudrais pas non plus que nous accumulions une autre dette, alors que nous dépendons de nouveaux projets dans le domaine de la bioinformatique. Il faut qu'ils fonctionnent. Et je n'avais pas réalisé que nous nous trouvions sur un terrain aussi fragile. Non, non, nous ne le sommes pas. Mais ce genre de friction a des conséquences. Alors parlons avec eux pour trouver un autre type d'accord. Laisse-moi réfléchir. Si tu veux que nos entreprises s'associent, tu sais ce que tu dois faire. Ne te trompe pas encore une fois. Ta famille pourrait le regretter. Je comprends. Dis-moi, au vu de cette histoire avec les Fonds de City, penses-tu que c'est une bonne idée de confier à Ravia la responsabilité de la bioinformatique? Ma fille, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Parce que ça entraînera des problèmes à long terme. Je serais vraiment ravie de travailler dans ton entreprise. Tu dois savoir que j'ai obtenu mon diplôme avec d'excellentes notes dans le domaine de la communication. Félicitations, c'est très bien. Oui, en outre, je me suis spécialisée dans le domaine de la publicité. Oh, tu ne sais pas comment ce domaine m'a bien réussi pour les promotions lors d'événements caritatifs. Et pour les relations publiques, tu sais, je suis la meilleure. Je pourrais travailler dans ce domaine. Ah, Carmen, chérie, les relations publiques pour les laboratoires sont très différentes. Tu auras besoin de te mettre à jour. Ah, mais tu me dis, mets-toi à jour et je le ferai en un clin d'œil. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de gagner de l'argent. Écoute, comme tu es dans une situation financière difficile, je veillerai à ce que tu obtiennes une avance. Mais si tu es très pressée, je peux te faire un virement. Non, ne t'inquiète pas. Je vais attendre l'avance, ma chérie.
Je ne pourrai jamais te remercier assez. Tout à l'heure, j'appellerai ma fille Fabiola pour lui dire de te recevoir dès que possible. Oh, c'est vrai. Je suis sûre que je vais très bien m'entendre avec ta fille. Je te remercie. Oh, Renata, pourquoi t'as mis autant de temps? J'ai même demandé l'addition. Désolée, mais j'ai eu un petit problème. Je dois me dépêcher pour retourner à Biogénélab. Oh oui, moi aussi. J'ai besoin de me remettre au travail. Alors dis-moi, c'était quoi l'urgence de soi? Je sais que c'est toi qui as posté la vidéo. Et je veux savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que ma réputation, ma relation de couple, ma carrière sont tombées à l'eau juste parce que t'as publié cette vidéo. Madame, excusez-moi, Monsieur Mauro Alvarez voudrait prendre rendez-vous avec vous. Un rendez-vous, pourquoi? Bah, bref, je pensais l'appeler pour lui dire que le poste a été donné à quelqu'un de beaucoup moins qualifié que lui. C'était de l'ironie, Terry. Trouve-moi un créneau dans mon agenda et je le recevrai. D'accord. À ton avis, qui a obtenu le poste que je voulais? Le fils du propriétaire. Tu vois? Je pense que c'est un signe de l'univers pour que tu oublies de te venger de Lisandro. Non. Je planifie tout ça depuis longtemps. Et ne crois pas que j'ai pris pour acquis mon entrée à Biogénélab, ce n'est pas le cas. Tu sais quoi? Je ne vais pas continuer à discuter. Dis-moi à quelle heure tu seras de retour. Ok. Vas-tu continuer à traîner dans la rue pour ne pas rentrer chez toi ou... Je vais rester un peu plus longtemps. Je ne veux pas que Rodrigo se doute que je ne travaille plus à l'université. Tu sais quoi? L'important maintenant est que Rodrigo se mette dans le bon état d'esprit pour son opération. Voyons si ça va t'aider à mettre de côté tes projets, car ton frère doit être admis ce soir pour être opéré demain matin. Ça, c'est ce qui est important. Oui, oui, mon oncle. Je te rappelle juste que Rodrigo ne souffrirait pas de tout ça sans les actions de Lisandro Mascaro. Allez, à plus tard. J'ai toujours pensé que tu étais mon ami. Que tu étais une personne loyale, honnête. Mais est-ce que tu es capable de reconnaître que c'est toi qui l'as publié? Tu as raison. Oui, c'était moi. Mais je voulais pas te faire de mal. C'était juste une blague. Juste une blague? Qu'est-ce que t'as trouvé de plus drôle? Lorsque j'ai été renvoyée de mon travail? Lorsqu'on m'a surnommée Miss Infidèle? Ou quand Alonso m'a laissée à l'église? C'est absurde. J'ai prêté mon téléphone portable à un ami pour qu'il puisse filmer la fête. J'ai vu la vidéo et c'était drôle. Et je l'ai envoyé au gars avec qui je sors, pour le faire rire. C'est lui qui l'a publié, sans me le dire. C'est pour ça que je pouvais pas te dire la vérité. Tu m'as fait honte pour faire rire le gars que tu aimes bien. Car là, cette vidéo ne montre même pas ce qui s'est réellement passé. Ils l'ont publié pour faire croire que je prenais plaisir à embrasser Thomas. Et tu sais parfaitement que ce baiser était un malentendu. Non, Renata, détends-toi maintenant. Ça a également servi à te libérer de ce scorpion d'Alonso, non? Ça ne justifie pas tout le mal que tu m'as fait. Dans peu de temps, une autre Miss quelque chose va arriver. Les gens oublieront si c'est pas déjà le cas. Ma famille, elle, n'oubliera jamais. Parce que cette vidéo sera toujours sur Internet. Tu vois, les conséquences de ta blague? Elles me suivront pour le reste de ma vie. Pardonne-moi, Renata. Araceli était aussi au courant pour la vidéo, et elle t'a rien dit non plus. Et alors? Le département de bioinformatique a besoin de toute urgence des rapports des échantillons prélevés hier. Est-ce que vous les avez ou pas? Oui, docteur. Dans un instant, je vous les remettrai. Je suis désolée d'être en retard, mais j'ai eu un petit problème familial. Oui, vos problèmes personnels, je m'en fiche. Ne soyez plus jamais en retard. Oui? Oui, Thérèse, dis-moi. Bien sûr. Dans une heure avec l'ingénieur. Parfait, oui. Merci. Merci beaucoup. Oh là là, ma petite. Ça se voit que tu es heureuse dans ta vie. Moi, non.
Non ? On vient de m'appeler pour me donner un deuxième entretien pour le poste dont je vous avais parlé de réceptionniste. Je pense qu'ils vont me le donner. Ça, c'est top. Top là. Bon, on va fêter ça. Va chercher ton sac. Mon sac. Oui, le sac. Va le chercher. Où est-ce qu'on va le chercher. Oh, je ne sais pas, quelque part. Comme ça, tu vas m'accompagner faire des courses. Et en même temps, nous pourrons profiter de l'occasion pour t'acheter des vêtements. Quelque chose de beau. Donia et fille, j'apprécie vraiment beaucoup, mais j'ai pas l'argent pour ça pour le moment. Ah, c'est vrai, tu ne cesseras pas de te mortifier. On y va, allez, prends ton sac et allons-y. Oui, ne t'excuse pas. Oui. Allez. On y va. On va fêter ça. Merci. Vous savez, mon amie Brenda a vu beaucoup de potentiel en moi. Alors elle m'a proposé un emploi dans le domaine de la relation publique de son laboratoire. Trop bien. Relation publique ? T'as même pas d'amis ? Oliver. Oh là là, c'est pas possible. Il me faut de la patience. La bonne nouvelle est que l'adolescence n'est qu'une étape. Oh maman, je suis si fière de toi. Quelle bonne nouvelle tu nous apportes. Merci mon garçon, tu me soutiens toujours. Dana, et toi, tu ne vas pas me féliciter ? Félicitations, maman. Avec les 20 000 pesos que votre père a envoyés, plus l'avance pour les travaux, nous pourrons commencer à meubler l'appartement pour ne pas qu'il ressemble à un logement social. Ok. Il faut aussi chercher une école pour ton frère et ta sœur. Oh, pour ça, je peux t'aider. Oh, j'ai oublié de te dire. Ton père a réussi à économiser le fonds d'affectation spéciale pour les études. Nous pouvons maintenant disposer de cet argent. C'est pas vrai. Tu peux donc commencer à chercher une université. Je pensais pas que j'allais pouvoir utiliser cet argent-là. Et puis aussi, je me disais qu'on pourrait l'utiliser pour l'école des deux petits et pour découvrir l'appart. Non, rien de tout ça. La priorité, c'est ton avenir professionnel. Pour ton frère et ta sœur, je m'en occupe. Laisse-moi faire. Merci, maman. Ne sois pas timide. Entre. Bonjour. Ici, c'est l'appartement qui appartient à mon amie, Madame Barbara Falcon. Et je suis toujours la bienvenue ici, mais tu n'as pas payé la lumière. Non, je n'ai pas payé, j'oublie toujours et elle s'arrête toujours comme si c'était sa maison. Ah oui, c'est vrai. Franchement, vous avez l'air en forme, Madame et fille. Eh bien, oui. Très jolie, hein. C'est très bien, vraiment. Admire donc tout ça. Très bien, très jolie, hein. Très belle, vraiment. Bon, Jemita, voilà Marie-Louis. Bonjour. Elle vient aussi d'une petite ville comme toi. Ah, d'accord. Et elle vient d'arriver ici. Et nous sommes venus voir si tu as des vêtements de mon amie Donia Barbara pour que tu puisses les prêter à cette fille. Non, c'est la honte. La honte, c'est voler et se faire prendre. Demain, Marie-Louise va passer un entretien pour un emploi. Super. Et regarde-la tout simplement. Elle n'a aucune tenue appropriée. C'est pour ça que je l'ai emmenée, pour voir si tu pouvais lui prêter quelque chose et au passage pour apprendre à vous connaître. Et voyons voir, peut-être que vous deviendrez amis. Je vais beaucoup l'aimer parce que moi j'adore me faire des amis. J'ai toujours aimé ça, vraiment toujours. Tu es très sympathique, toujours. Mais honnête. Oui, honnête. Toujours, évidemment. Mais pas de bêtises, hein, toutes les deux. Quelle bêtise. Mais non. Oui. Oh, vous êtes toutes les deux très jolies. Il y aura une flopée de jeunes hommes mal éduqués. Tu sais que c'est peut-être vrai. Non. Hein, c'est peut-être vrai. Arrête de rigoler, ma petite. Arrêtez. Ne riez pas. Chut. Stop. Ce n'est pas étonnant que Donia Barbara Falcon, ma grande amie, m'a chargée de te surveiller. Je te surveille, là. Bien sûr que oui. Avec ses yeux. Ah oui. Bah, moi aussi, je vais surveiller quelqu'un. Ce sera vous. Pourquoi ? Oui, vous allez dire que non, mais vous fricotez aussi de temps en temps. Ah, oui, vous. Oh non. Voyons voir. À mon âge. Racontez. Non, mais ce que je fais. Racontez-nous. Je vous jure que je travaille très dur, monsieur. Mais ce kit ne peut pas être fabriqué en deux jours. Je suis conscient de ça. Mais je ne veux pas inaugurer l'élargissement de la bioinformatique sans avoir un projet prêt et aussi intéressant que celui que tu m'as proposé. Je fais vraiment des progrès, mais j'ai un autre travail et je ne me plains pas, mais je pourrais faire un meilleur travail si je me consacrais 100% au projet sans m'occuper des tubes à essai toute la journée. Et pourquoi n'utilises-tu pas une partie de ce que tu as développé dans le kit précédent et ainsi accélérer le processus ? De toute façon, c'est une création de toi. Le biologiste Alonso Cancino l'a enregistré comme étant le sien. Je ne peux donc pas utiliser tout ça car je vais avoir des problèmes juridiques. Malgré tout cela, j'ai besoin d'une date approximative pour commencer. Et partage les informations avec moi, s'il te plaît. Ok. C'est fait. Tout est dans vos mails. Mais je ne le vois pas. C'est celle-là. Je peux ? Oui, s'il te plaît. Voici le calendrier et les livraisons resteront comme ça. Non.
Il reste trop peu de temps pour atteindre la ligne d'arrivée. Tu dois accélérer le rythme et déplace la présentation au moins. Regarde, d'ici à là. Waouh ! Là. Tu continues à me surprendre, ma chère. Tu viens à peine d'arriver et tu t'occupes déjà des relations avec les membres ? Tu ne perds pas de temps, dis-moi. Bien. Si je peux me permettre, je vais corriger ce que vous m'avez demandé et je vous envoie le nouveau fichier par mail, c'est bon ? Oui, parfait. Sois 100% sur ce projet, d'accord ? Comptez sur moi. Très bien. Veuillez m'excuser. N'aie pas peur des vêtements, hein ? C'était à ma tante Barbara. Mmh. Et j'espère que ça te sera utile parce que, regarde, elle me les a donnés, mais c'est très élégant. Tu vois, c'est pas du tout mon style. Mais c'est super joli. Ouais. Ah, regarde, celui-ci par exemple. Ça, c'est à moi, donc c'est sûr que ça t'ira. Et je vais plus l'utiliser, je l'ai utilisé une fois à la veillée de... La veillée de qui ? Gemma. Ouais. On se lamente pas. La vie consiste à continuer à donner tout ce que tu as. Ouais. Et je sais que tu le fais, Gemita. C'est gentil, ouais. T'occupe pas, nous nous comprenons. Ah. Ouais. Tu ferais mieux de jeter un coup d'œil à tes affaires. Allez, regarde, pour voir regarde si tout ça. Bon. Il a l'air vraiment cool. Si ça va pas, on fera des retouches où il faut. Je sais coudre. Très bonne attitude, oui. Oh, mais ne pleure pas. Tu pleures. Mais non, pas du tout. Non, c'est pas grave. Ça y est. Je peux entrer ? Content d'aller à l'hôpital ? Oui. Oui, super content. Rodrigo pense qu'après l'opération, tu... Oui, oui. On va pas encore parler de ça, encore une fois. Cette opération peut changer ta vie. Et quoi qu'il se passe, je serai toujours à tes côtés. Merci. Moi aussi. Rodrigo... Oh, c'est bon, quoi encore ? Hein ? Excusez-moi. Merci. Merci. Docteur Julio Palma, pouvez-vous venir aux urgences ? Alors, comment tu te sens ? Eh ben... Est-ce que tout va finalement s'arranger cette fois-ci ? Comme le dit notre oncle... Décrète-le. Et visualise-le. Eh bien, je vais... Décrète-le. Le visualiser et je vais le décréter. Et positive. Décrète-le. Et visualise-le. Voilà. Ah non, tu sais quoi, tonton ? Je pense que tu peux sérieusement penser à jeter ce fauteuil à la déchetterie parce que j'en aurais pas besoin, n'est-ce pas ? Je l'ai déjà décrété. Et je me suis préparé mentalement. Continuez à vous moquer, oui, continuez. Je t'assure, c'est pas des bêtises. Ce n'est pas de la moquerie, bien sûr. Oh non, vraiment. Il semble que j'ai fait mes bagages les yeux fermés. Regarde, ces vêtements ne vont même pas ensemble. Maman, n'en fais pas trop, s'il te plaît. Mais enfin, regarde un peu. Si je porte ça, je ne vais ressembler à rien du tout, à une mendiante. Hélas, je n'ai même pas été capable de laver tout ça. Ajoute à la liste de choses à faire, acheter une machine à laver, pour ne pas endommager la soie, et aussi ajoute un de ces nouveaux sèche-linges. Tu plaisantes ? Pourquoi ? Maman, t'as beaucoup de vêtements. Avec ça, tu peux composer des tenues incroyables. Et puis, ces tenues, eh ben, tu les verras même pas à la Fashion Week. Oh, enfin, Ulysse ! Toi, qu'est-ce que tu connais de la mode ? Plus que toi, oui. Oh ! Voyons voir ça. Ah, quelque chose de bleu marine, regarde. C'est un pantalon, non ? Oui. Eh ! Pantalon bleu marine, avec un haut gris. Oh, avec des paillettes ! Et tu peux mettre une paire de stilettos. De quoi ? Stiletto. Stiletto. La personne bizarre de la famille. Ce sont des talons aiguilles, maman, voyons. Oh. Dis-moi, tu t'y connais en mode ? Je te l'avais dit. Mmh. Bien, bien. Enfin, juste un petit peu. Oh, merci, mon chéri, merci. Oh, je t'adore. Maman, je comprends que tu veuilles l'aider, mais ton amie n'a jamais travaillé. Je ne peux pas la mettre dans les relations publiques. Je pense que je vais la mettre aux ressources humaines. Non. Non, Fabiola, je te demande une faveur. Carmen en a besoin. Je ne peux rien te promettre. Quoi ? Essaie au moins d'aider maman à ce sujet.
Et si ce n'est pas le cas, essaie d'être un peu plus empathique envers les besoins des autres, c'est tout. Tu n'as besoin de rien et tu passes ta vie à demander. Fabiola, cette femme veut simplement pouvoir travailler. Fabiola, s'il te plaît, fais ce que ta mère te demande. Bien sûr, papa. Tu peux voir que Biogenelab est une entreprise très inclusive. Ils acceptent tout le monde. Dis-lui, papa. Dire quoi ? Bon, je ne voulais pas le dire comme ça, mais comme Fabiola l'a mentionné... Félicitations, mon fils. À partir de demain, tu seras le directeur du pôle de bioinformatique de l'entreprise. Oh ! J'arrive pas à le croire. Félicitations, mon fils. Papa, je l'avais vraiment pas... Je ne m'y attendais pas, mais... Mais merci beaucoup. Je te promets que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Je vais les développer. Ne pense pas que nous allons te laisser commencer comme ça non plus, hein. Tu seras entouré de personnes prêtes à t'aider, d'accord? Oui, enfin, au moins au début, pendant que tu apprends tout ce que tu as besoin de savoir. Bien sûr. Bien, je m'en vais. Je dois travailler, vous comprenez? Et toi aussi demain, mon frère. Alors repose-toi. Félicitations, tu le mérites. La violence contre les femmes n'est pas seulement physique. Elle peut aussi être économique, psychologique, émotionnelle. Vous avez besoin d'aide ? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar.